Monsieur Saint-Louis. Bonjour, Monsieur Saint-Louis. Bonjour. Bonjour, Monsieur Saint-Louis. Bonjour. Bonjour. C'est bonjour, Monsieur Saint-Louis. Bonjour, Monsieur Saint-Louis. Bonjour. Bonjour, Monsieur Saint-Louis. Le courrier est passé? Oui, mais tout ce qui est service de messagerie est en retard. J'ai vu ça, oui. Quand il arrivera, voudrais-tu m'appeler? J'aimerais ça lui dire ma façon de penser. Je suis fatigué de payer pour des incompétents. Là. Très bien, Monsieur Saint-Louis. Bonjour. Bonjour. Excusez aussi pour le petit retard. Monsieur Saint-Louis, les plans sont arrivés. Assoyez-vous. Ah, je peux vraiment pas, je suis pressée, j'ai du retard. Mais justement, soyez-vous. OK. Montre, toi? Oui. Et quelle heure, là? 9h25. Exactement. Excusez-moi, j'ai du retard. Je suis désolé, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. T'as fait ce que t'as pu. Ça m'intéresse pas, moi, ce que t'as pu. Tu sais, moi, je paye pas pour ce que tu peux faire. Je paye pour ce que moi, je veux que tu fasses. Puis ce que je voulais que tu fasses, c'était livrer le paquet à 9h. Le même 9h qu'il y avait sur ta montre, il y a 25 minutes. Fait que la livraison, je la paye pas. Tu peux t'en aller, là. Je voudrais pas te mettre en retard. Non! Je suis monté 2 minutes. C'est interdit. Il y a pas de temps minimum accordé. J'ai mis mes flashers. Hey, les feux de détresse vous permettent pas de stationner devant un arrêt d'autobus. Mais il faut être logique. Je suis courrier. C'est écrit sur l'auto. Ben oui, je suis policier. Moi, c'est écrit sur l'auto. OK. Vous êtes pourrier. Vous enchaînez où? Moi, là, je vais aller la prochaine fois. Si vous continuez à me parler comme ça, monsieur, je vais être obligé de vous amener au poste. En plus, on dirait que vous me suivez. C'est tout le temps vous qui me donnez mes tickets. Regardez, une pile de Baudreau dans mon char. Je me couche le soir, je vois votre nom. Baudreau. Appel à tous les officiers à service. Le rôdeur sexuel est aperçu en face de l'école des 15 ans. Je suis bien pauvre. Vous continuez à remplir mon ticket? Écoutez, monsieur, je fais ce que je peux. Ce que tu peux, ça m'intéresse pas. C'est ce que je veux qui m'intéresse. Bien là, vous allez prendre ce que je peux, puis ce que je peux, c'est un ticket. Hein? France. Oui, M. Saint-Louis. France, deux choses. Premièrement, vous allez appeler le gars de la machine à café. Lui dire que j'ai encore et toujours l'impression de boire du carton. Ensuite, le dernier rendez-vous de l'après-midi, là. Denis Vincent? Oui, c'est ça. Tu vas appeler M. Vincent pour lui dire que le rendez-vous est annulé. Je dois absolument aller chez le concessionnaire pour la nouvelle voiture de ma femme. Hé! Hey, tu seras pas content? Mais m'en fous. Mais M. Saint-Louis, c'est la deuxième fois qu'on le reporte. France, je te demande de communiquer avec lui, là, pas de me contredire. Je m'excuse, M. Saint-Louis. Moi, c'est pour vous, M. Saint-Louis. Ben justement. Faites-le pour moi. Mais ce sera fait, M. Saint-Louis. Maison. Oui? Rohan. Oui? Attends-moi pas ce soir, j'ai un rendez-vous ultra important. Ça risque de finir tard. Encore? Je m'excuse de travailler. Joue pas à ça avec moi. Avec qui ton rendez-vous? Denis Vincent. Encore? As-tu juste ce mot-là dans la bouche, toi? Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus que moi, Denis Vincent? Deux immeubles de 144 loyers. Beaucoup d'argent en jeu, là. Rendez-vous comme ça, ça s'annule pas. T'es une plaie, Jacques. Moi aussi, je t'aime. Bonne fête, mon amour. Mmh. Est-ce que
excuse-moi, la circulation, c'était... C'est pas grave. As-tu choisi? Non, pas encore. Je t'attendais. Ah. Il reste combien dans le compte? 260 quelques. Oh, c'est bien correct. Ouais, pas pire. Non, non, c'est pas vrai. Il y a le chèque des effets scolaires de Jade qui doit passer. Ah, c'était combien, ça? 152,27. 260 moins 100, 100... Attends, pardon. C'est... 108. On va prendre la carte de crédit. Hein? Il reste autour de 600 dessus. Ah, t'es sûr? Ouais. Ben oui, la dernière dépense, c'était les souliers de Jade. En fait, Lucie, il ne doit pas rester ça. Bonne fête. Ça a coûté combien? Hey, on va y ouvrir, là. Michel Deschanel? Oui. C'est-tu des vrais? Oh, oui. Voyons, voyons. Ben merci, t'es un beau merci, ça serait super. Attends, je m'excuse. Merci, mon amour, merci. Mais c'est juste que c'est une folie, Michel. Je voulais juste te faire plaisir, moi. Pourquoi j'aurais pas le droit d'en offrir, moi, des lunettes Chanel à 500$ à ma blonde? 500? Mais on n'avait pas du tout les moyens. On est à ça de se faire couper l'hydro. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des lunettes fumées dans le noir? Magnifico. Merci. Tu vois? Je sais, mais c'est juste que c'était pas nécessaire. Je vous comprends. Comme disait ma mère, ce n'est pas autant la valeur du cadeau qui compte que l'amour de la main qui l'offre. C'est beau. Hein? Mmh. Elle est pleine d'amour, ma main. Bon, on va prendre l'entrée de tapas à deux. Ça ira. Oui, merci. Pourquoi vouloir cacher des si beaux yeux? Il y avait où, ma main pleine d'amour, lui? Vous dites? C'est pas important, me semble. Bonjour, M. Saint-Louis. Bonjour. Pour l'hydro. Ils nous avaient donné jusqu'au 16, puis on est le 17. Tu penses à ça, là, là? Mais c'est que je fais pas exprès, ça me stresse. OK, oui, oui, je pense. Je voulais le payer demain, en fait. C'est ma paye. OK. Les assurances pour l'auto. Hein? T'as-tu payé les assurances pour l'auto? Oui, oui. T'as du taux de paiement en tête? Non. Bon, terminé pour moi. Ma collègue va prendre la relève. Au revoir. Vous aviez pas dit que vous faisiez la nuit? Ben, c'est fait. Bon matin, M. Saint-Louis.
Appel maison. Denis Vincent, c'est-tu la rue qui mène au casino, ça? J'étais pas au casino, j'étais comme prévu avec Denis Vincent. On a pris quelques verres au bureau, puis quand il est parti pour fêter ça, j'ai pris le dernier cognac, je me suis endormi au bureau. Puis au lieu de péter les plombs, tu devrais être content. Il y a un super gros contrat avec lui. Tu vas l'avoir, ta Jaguar. J'espère, parce qu'il y a un huissier qui est venu saisir ma VM. Impossible. Oh oui, c'est possible, parce que le garage est vide. C'est 6 mois que les paiements n'ont pas été faits. Non, ça, c'est une erreur, ça. J'ai appelé la semaine dernière pour dire que les paiements avaient été faits. Ça, c'est la banque. Ils sont tellement pas à leur affaire. Là. En tout cas, moi, les paiements par Internet, c'est fini. Ça a besoin d'être vrai. Ça a besoin d'être vrai. Je me tue au travail pour réaliser tes désirs, puis tu me fais pas confiance. Tu me fais de la peine, Joanne. Bonjour, M. Saint-Louis. Bonjour, M. Saint-Louis. Bonjour, M. Saint-Louis. Bonjour. C'est refusé. Pardon? Votre carte. Elle passe pas. Ah oui? Ah. Ça marche pas? Ça doit être la carte. C'est parce que je paye avec la carte d'assurance maladie. Ça, si on veut que ça passe, il va falloir qu'on enlève des affaires qui sont pas bonnes pour la santé. Mmh. Qu'est-ce que t'enlèverais, toi? Les croissants, c'est-tu bon, ça? C'est gras, hein? Mmh. On va enlever les croissants. C'est refusé. La confiture. Trop sucré, hein? Ça doit être les céréales, le problème, parce que le pain brun puis le journal, ça doit pas être trop gras, ça devrait nous laisser. Oui, ben, en tout cas, on sera pas malade avec ça, hein? Non. Ça marche pas encore. Je vais prendre juste le pain brun, finalement, puis je vais le payer comptant. Il manque encore 5 cents. Ça va être correct. Excuse. Hein? T'as oublié ta carte de guichet sur le comptoir. Ah, oh, merci. Merci aussi pour le 5 cents. Hein? Oui, voilà. Ça arrive à tout le monde. Ah oui. OK. Non, mais tu sais, as-tu besoin d'un coup de main, tu sais? Le temps de te refaire? Ah, non, merci. Moi, j'aime pas bien s'emprunter. J'aime mieux travailler. Tu me dois déjà 10 cents. C'était pas 5 cents? Hey, les intérêts! T'es courrier? Ben oui. Ah, oh, ben, Carlis! Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'aimes ça, travailler? M'a te faire travailler, moi? Ah, faire quoi? De la livraison, cette affaire. T'es courrier. Mais tu sais. T'en parles pas. Tu gardes l'argent pour toi. T'en as besoin. Puis là, 10 cents, là. Oublie ça, là. Ah non, je vais te le remettre. Hey, arrête-moi ça, tu m'insultes, Asti. On s'assinera pas pour 15 cents, là. En tout cas, si tu changes d'idée, puis que t'as le goût de te gâter en pain brun, puis en confiture. T'as juste à venir me voir à mon bar chez Rocky, c'est à deux coins de rue, ça. T'as moins ça. Tu rentres, tu demandes shotgun. Ça, c'est moins ça. Pas ça, ça. Je m'excuse. Monsieur Saint-Louis? Oui? Il y a un problème, Monsieur Saint-Louis. Lequel? Les résidences boisées? Oui. Denis Vincent? Le chèque rebondi ce matin?
Ben, au départ, je me suis dit, respire, respire, France, parce qu'à cause de mes crises de panique, j'ai oublié de respirer, il faut que je me le rappelle. En tout cas, j'ai vérifié le compte bancaire de M. Vincent et là, j'ai vu qu'il manquait 35 000 $. J'ai trouvé que c'était beaucoup. J'ai encore cherché mon air une bonne minute pour me rendre compte que c'était toutes des retraits faits par vous. Denis Vincent a laissé 3 messages de ce matin, puis là, je sais pas quoi lui dire. Je peux parler? Oui. Je m'excuse, M. Saint-Louis. Il n'y a aucun problème. Au contraire, j'ai placé des publicités importantes, dispendieuses, mais très importantes. Ça va faire doubler le prix de ces locations. Alors, tu peux téléphoner au client et lui annoncer la bonne nouvelle. Puis tiens, verse-lui donc 5 000 $ en compensation. Très bien, M. Saint-Louis. Mais là, le 5 000 $ et l'argent qui manque dans le compte, je les prends où? Et mon Dieu, as-tu vu l'heure? Il faut que je me sauve. Je t'explique tout ça, mon retour. Je peux pas vraiment te permettre un retard. C'est un rendez-vous trop important. On est tous ici. Bonjour, M. Saint-Louis. Même chose que d'habitude? Non, je resterai pas longtemps. T'es capable, t'es bonne. Faut que tu m'appelles, hein? Si tu m'aimes, vas-y. Ben oui, moi aussi, je t'aime. Regarde, hein? Prochaine fois, OK? Si tu veux être au calice, occupe-toi pas de lui, OK? Lâche pas, ma belle. Hein? OK. Dans votre main, c'est quoi, ça? Un doudou chanceuse. Une fois, j'ai gagné 2000 piastres au machin. C'était pendant que ma femme accouchait. Depuis ce temps-là, je traîne de la doudou de ma fille. J'ai pas de chance. OK. Hey, vas-y, ma belle. Ah oui, t'es capable. Hop, 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 hop. Plus tard, OK? Non, non, ça peut pas attendre. C'est parce que, tu sais, le fameux compte des drôles, ben, je suis pas capable de le payer. J'ai juste la moitié de ma paye. Comment ça? Ben, j'ai un petit problème, là, avec la livraison. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je travaille. Je me fais pas couper ma paye, puis tu jettes pas notre argent par la fenêtre pour des niaiseries. T'as raison, c'est une mauvaise passe. Non, mauvaise passe, c'est 2 semaines, 1 mois, pour toute une vie. Fini plus. Mais là, à qui on emprunte pour le compte d'Hydro? Ta mère pense qu'elle prend compte d'aider. Faut vendre les petites lunettes Chanel. Ben, j'ai essayé, mais au punch up, ils en veulent pas. Ils disent qu'ils ont pas de clients pour ça. Bon, Michel, je suis capable, OK? On va prendre un break, là, moi, c'est trop pour moi, ça. Un break? Ben, un break, là. Tu me quittes? Tu voulais aller en Espagne? Non, je voulais juste payer le compte, dis-donc. Thank you.
mon cash? Il est où? Je l'ai pas encore. Tu vas l'avoir quand? Ben, c'est là. Où ça, là? Pas là dans le sens de où, là dans le sens de bientôt. Je comprends rien. Tu sais que je suis patient. Mais quand j'ai plus de patience, ça fait mal. Bien mal. Puis comme j'aime pas ça avoir une mauvaise réputation, je m'arrange pour que le client puisse pas porter plainte après. Ça, c'est écrit dans notre petit contrat, toi et puis moi. En petit caractère, dans le bas de la page. En italien. En italien? Les lettres de travers. En italique. On dit pas en italique, on dit en Italie. C'est-tu que t'es mêlé? Bon, en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que je suis sur un gros coup, là. Un gros coup? Un projet immobilier, millions. Je manque un peu de liquidité pour démarrer le chantier. Mais tu sais, si tu m'aidais, non seulement je pourrais te rembourser, mais en guise de plus-value, je pourrais te donner une cote de ses profits. Combien? 10 % 40 % 20 30 % 25 28 Ferme ta gueule! Combien t'as besoin? 60 000. OK. Mais je t'avertis. Si par malheur, tu me rembourses pas parce que ton gros coup foire, là, moi, je vais prendre ton gros coup à toi. Oui. Et je vais le casser. OK? OK. 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 Et 10, 20, 30, 40, 3, 40, 5, 40, 6, 40, 7 et 40, 7 et 40 plus 25 cents, 7 et 40 plus 25 cents, ça fait 7 et... 7 et... Ah, c'est-tu que ça va mal? Michel Beaulieu. C'est vous, ça? Ben oui. Pierre Beauregard, huissier. Ben oui. Vous avez des contraventions non payées à la Cour municipale de Montréal? Ça totalise 875,88 $. Il faudrait que ce soit payé immédiatement. Ah, ben là, je l'ai pas, je suis pas capable. Combien vous dites? 875,88 $. Oh, là, j'ai pas l'argent là, mais... Vous allez l'avoir quand, M. Beaulieu? Parce qu'il va falloir payer. Là, votre permis de conduire est suspendu. Puis tant que ça sera pas payé, vous pouvez pas conduire. Non. Là, si je peux pas conduire, je peux pas travailler. Conseille pas d'essayer. Parce que si la police vous arrête, on saisit le véhicule. OK, regardez bien, là. Avis final. Interruption de service. Ah, compte gelé.
saisi. Je sais pas, ça va être qui le prochain grand gagnant. L'électricité, le téléphone, la banque, l'étiquette. Je sais pas. À ce moment-là, on va saisir des objets de valeur. Ah oui, saisir. Tu vas avoir de la misère à trouver ça ici, par exemple. Ah non, c'est pas vrai. Parle-moi une petite minute. Un premier paiement de 7,40. Et si vous me laissez une autre minute, je vais pouvoir vous faire un autre versement de 25 cents. 48 heures. Je vous laisse 48 heures. Quand je vais revenir, on n'aura plus de chance. OK. Ah, pour la chance, je suis déjà back order. Là, oublie pas, chaque fois que le plancher craque, c'est parce que tu marches sur la cachette d'un farfadet. Vas-y doucement, faut surtout pas les réveiller. Qu'est-ce qui arrive si j'en réveille un? Si t'en réveilles un, ils vont faire des mauvais coups. Quel genre de mauvais coups? Ils cachent des bas. Puis pas les deux, là. Juste un, pour que tu t'en aperçoives. Puis, si tu les laisses traîner le sac de vidange sur le balcon, là, ils font des trous dedans pendant la nuit. Ah, c'est une sorte, ça. Oui! Assieds-toi. Ah, OK. Bon. Oh, ce soir, comme c'est une soirée ancien temps, donc pas d'électricité. On mange froid, puis avec nos mains, sandwich et chip. Ouais! Allô? Salut, Michel. Ah, salut. C'est maman. Maman! Je te passe, puis on s'en parle après. OK. OK. Allô, maman? Allô, ma belle! Tu t'amuses avec papa? Oui, on joue à l'ancien temps. Qu'est-ce que vous faites? Ben, comme dans l'ancien temps, il n'y avait pas d'électricité, papa y a mis des chandelles partout. Ah oui? Ouais. Puis on mange avec nos mains. Des sandwichs puis des chips, parce que on peut pas se servir de four, c'est électrique. OK, ben c'est le fun. J'ai hâte de te voir. Tu me passes papa? Papa? Allô? Tu t'es encore fait couper l'électricité? On a du fun, là. Qu'est-ce qu'il y a, Jade? Un gros fun. Ah, oh, cheap shot. Je te rappelle. OK. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oh, ça, c'est mon amie la coquerelle, ça, chez Charlotte. Charlotte, Jade, Jade, Charlotte. Moi aussi, je la trouve lettre, mais j'ai dit pas, elle est bien sensible. Hmm. C'est toi qui l'as appelée Charlotte? Non, 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 non. Je l'ai retrouvée dans un bocal devant ma porte. Il y avait un petit papier avec écrit dessus « Charlotte ». Bon, on va la remettre dans son bocal, hein? Mm-hmm. Sinon, voilà. Hmm? Pas qu'elle s'ennuie. Peux-tu l'amener chez maman? Ça lui ferait des vacances. Je suis pas sûr que maman... S'il te plaît! J'ai hâte de la montrer à maman. C'est parce qu'elle est habituée de vivre ici, hein? Puis, Please! OK. Merci! Tu viens chez maman, Charlotte. On peut-tu allumer la télé pareil? On peut pas, il n'y a pas d'électricité. C'est l'ancien temps. Je commence à trouver ce plat, l'ancien temps. Qu'est-ce qu'ils regardaient, les enfants, s'il n'y avait pas l'électricité? Ben, ils regardaient les murs. Mais c'est ça qu'on fait depuis tantôt. Mais ces murs-là, ils ont pas le câble. Dans ta chambre, on pogne un poste chinois. Viens, on va te montrer. Les chiens comme moi sont gentils. D'ailleurs, les chiens comme moi ne jappent pas. Ils miaulent. Miaou, 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 miaou. Ils savent beugler aussi. Jade? Breeze.
Ça serait pour un emprunt. Combien? Oh, environ 2-3 000. Ça dépend. Mm-hmm. Ta salaire annuel, c'est... Ça tourne autour de 18-20 000. Mm-hmm. OK. Toi, tu es une travailleuse autonome. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, une travailleuse autonome, c'est comme une itinérante, mais qui gagne des gros montants. Mm-hmm. C'est comme tout ce que c'est qui est artiste, là, tu sais, comédien, chanteur, peinture, comme ça. Hein? Ça, c'est un toile que j'ai acheté à mon filleul. Mm. Don't like it. Pas belle. Tu trouves-tu belle, toi? Ben, c'est abstrait. C'est ça qu'il dit, lui aussi. On va regarder ta crédit. Oh, gosh. C'est R9. Ou c'est la pierre noire, hein? Une carte de crédit de votre banque, est-ce que je pourrais en avoir une? Dis-moi. Non, toi, t'es pas qualifié. Fait que la publicité, là, l'entrée qui dit on va trouver l'argent dont vous avez besoin, ça s'applique pas à moi, ça. Oui. Si toi, t'es qualifié. Ah, ouais. Vous auriez pas ça, 2-3 000 piastres de lousse pour un itinérant? Non, hein? Excusez, je viens voir Shotgun. Ah, tiens, le courrier. Tu veux bien passer à nos bureaux? Oui. Comme toi. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Hein. Chris, tu es en avance. Ah! Salut. Moi, c'est Angel. Salut, moi, c'est Michel. Tu viendras la voir en show, elle est écœurante. Mais viens pas oublier le costume, par exemple. Tiens, là, ton cash. Merci. Écoute, Michel. J'aurais peut-être un gros contrat pour toi. Ah, oh, je suis pas sûr que ça me tente. Pas un petit job comme t'as fait. Quelque chose de bien. Une plus-value qui appelle, là. De la grosse argent. Sale, mais grosse. Ça me rappelle quelqu'un. Ouais, je sais. J'ai passé la même affaire, direct en le disant. Puis? Ah, mais merci, mais non, ça va être bon, je vais passer mon tour. Ça me calait, c'était migraine de me faire dire non, moi. Pense-y, là. Une journée de travail plus payante que tu peux imaginer. Ah ouais? Imagine. Bon, ben, c'est plus que ça. Non, vraiment, c'est beau pour moi. Je suis pas faite pour ça, je pense. Je peux te sortir? Ben oui. Il y en a donc bien des cadeaux là-dedans. Il y en a peut-être un pour la police. Qu'est-ce que t'en penses, Jade?
Je crois pas. Non. Avoir su qu'on se verrait aujourd'hui, on aurait trouvé un petit quelque chose. Ah, combien de fois je te l'ai dit au magasin, Jade? Il faut pas oublier la police, parce que la police, elle nous oublie pas. C'est ça, oui. C'est ça. Jade, as-tu au moins souhaité joyeux Noël à monsieur l'agent? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Puis moi, tu me souhaites pas un beau joyeux Noël? Ah, mieux que ça. J'ai un cadeau pour vous. Vous me verrez plus bien ben dans le coin parce que j'ai été promu aux affaires criminelles. Wow! Ça, là, ça me touche vraiment. Tu sais, quand tu dis un cadeau fait sur mesure pour toi, là, c'est rare. Wouhou! Bonsoir, Monsieur Nicole. Jacques Saint-Louis, président Montréal de gestion CDG. Bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, à l'approche des fêtes, j'ai décidé de rencontrer moi-même tous mes locataires. En fait, notre relation est un peu plus loin qu'une simple transaction bancaire. Donc, j'ai décidé de passer prendre les loyers moi-même ce mois-ci. Afin qu'on apprenne à se connaître un peu mieux. Écoutez, premièrement, je suis un peu pressé. J'attends des invités d'une minute à l'autre, alors soyons concis. Et deuxièmement, qu'est-ce qui me prouve que vous êtes bien, Monsieur Saint-Louis? Ah, bien, évidemment. Hein? Voilà. On est le 23 décembre. Le loyer, c'est le premier. Et je sais, mais plusieurs d'entre vous partent en vacances et moi, je voulais manquer personne. Bon, mais je vous fais un chèque post-daté. Oui, c'est comme vous voulez. Mais si vous me faites un chèque daté d'aujourd'hui, comme petit cadeau du temps des fêtes, gracieuseté de groupe CDG, vous aurez un rabais de 100 $. Mais... vous n'êtes pas obligé. Pourquoi vous faites ça? Pour fidéliser la clientèle. Post-daté. OK. Ça sent pas long. J'ai tout mon temps. 100 $. Ouais. C'est rien, man, 100 $. C'est quand même 100 $, hein? C'est même pas une teinte dans mon Hummer. Vous êtes 200 $. Là, ça commence à être un cadeau. C'est mon plein, mon journal, mon café. D'accord. 200 $. Je te mets ça dans la malle demain matin, maman. Es-tu bonne? Oui. Vous serez pas venu pour rien? Non. Ça, j'en parle avec l'auto, Jade. De toute façon, elle allait briser. Comment tu vas faire pour ton travail? On va demander une œuvre au Père Noël. Il n'existe même pas le Père Noël. Pourquoi tu dis ça, toi, là? En tout cas, moi, j'y crois. Puis je suis certain que tu demandes à n'importe qui ici, là, s'il existe, puis il va te dire oui. So, excuse-moi, mademoiselle. D'après vous, là, il existe-tu le Père Noël? Père Noël? Oui, parce qu'elle n'est pas sûre s'il existe. Oui. Bon, tu vois? Elle n'a rien compris. On a plein de preuves. C'est toi qui se lèves la nuit pour boire le verre de lait puis manger le biscuit? Hein? Bon. Puis les traces de bottes hein, dans le salon l'année passée. Puis la fois d'avant, là, t'as même entendu les cloches du traîneau chez le toit. Les amis, ils disent que c'est tout toi qui fais ça. Voyons, pourquoi je... Bon, regarde, je sais pas quoi te dire, là, franchement. Je veux pas te faire de peine. Oh, tu me fais pas de peine. OK. Je vais te dire une affaire, là. Le lapin de Pâques. Ça, c'était moi. Je sais, j'ai trouvé le costume dans le garde-robe. Tu fouilles dans mes garde-robes, toi? Tu as trouvé d'autres choses comme ça? Ben. Les bottes et les cloches. Bon, mais. OK. Il n'existe pas, le Père Noël.
Le lapin de Pâques, la fée des dents, la... Père Noël, Mary Poppins qui vient livrer des gâteaux, tout ça, c'est pas vrai. Tout ça, c'est juste moi. Tu sais comment c'est? Non, mais toi, je sais comment t'es. T'enlèves pas ton manteau? T'as froid? Oui. Non. C'est parce que je resterai pas longtemps. Ah, OK. Michel, j'aimerais mieux que Jade te voie plus pour l'instant. Le temps que tu te reprennes en main. Elle était tellement triste quand elle est revenue de chez vous. C'est pas le genre de réveillon que je veux pour ma fille. Je m'excuse. Non, excuse-toi pas. Je le sais que tu fais ton possible. Mais t'es tout croche. Tu sais, Jade est pas folle. Elle sait que quand vous jouez à l'ancien temps, c'est parce que t'as plus d'électricité. Ça la rend triste. Pourtant, on s'amuse. Oui, sur le coup. Mais après, elle s'inquiète pour toi. C'est pas normal. Vieillis un peu, je sais pas. Tu sais que je t'ai jamais vu avec autre chose que des souliers de course dans les pieds. Mais c'est pour mon travail. Tu travailles pas, là? Puis depuis me voir, ça la rendra pas triste, ça. Quand elle te voit, elle l'est. Il me semblait que tu restais pas longtemps. Excuse, Michel. C'est pas que je t'aime pas. C'est juste que c'est pas le genre de vie que je voulais. T'es sûr, là? Oui. La dernière fois, tu disais que c'était pas pour toi, ça. Ben là, c'est pour moi. Je suis content, Anastie. Je pensais jamais que tu te rappellerais. M'en dis un jour ce que j'ai dit après que tu sois parti. Qu'est-ce que je t'ai dit? D'aller faire mon chiffre au motel. Avant ça. Laisse faire. Bon, écoute-moi. La job, c'est un joueur qui me doit beaucoup d'argent. Tu l'enlèves, puis on le récupère chez vous. C'est pas une livraison, ça? Non. C'est plus comme un pick-up. On ramasse le paquet chez vous. Ah, ça, c'est pas un paquet, c'est quelqu'un. Ça, je veux pas. Angel? Es-tu là, mais yo-yo? Mais non. Tu as entendu ce qu'elle dit? Oui. À un moment donné, tu veux pas, l'autre moment donné, tu veux, là, tu viens, tu veux plus, tu veux me pousser à bout, calice! C'est juste que cette job-là, je veux pas, mais... C'est pas un centre d'emploi, ici, tabarnak! C'est un bunker! Moi, pourquoi pas lui? Parce que toi, personne ne se doute que t'es en train de faire un mauvais coup. Hammer, tout le monde le recherche, s'il rentre au dépanneur, se fait arrêter. On pourrait le déguiser. Ce qui
me fatigue, c'est que dans ta tête, j'ai une alternative avec Amber. Je comprends. Sais-tu comment ça coûte une jambe de même? Arrête-moi ça. Tu l'as volé en tangué. Tu vois bien qu'Amber est pas en forme pour faire ça. Fait que là, dis oui à job. Parce que le pot que j'ai tiré, ça... Ça revient comme un tic. Ah! Ça serait plate que la petite manque l'école une couple de jours. Il a temps de guérir. Je me suis manqué, esti. Oh non, c'est pas vrai. Oh! Je le sais, mais je suis pas dans une bonne position, là. Tu peux pas l'être plus que moi tout à l'heure à la caisse au Guilvy. T'es où, Jacques? C'est pas ce que tu penses. Jacques, t'es perdu, Jacques? Mais non, mais non. Bon, ben... Le tableau est complet. J'ai marié un perdant. Gambler, suicidaire. Ah, oh, si t'es homosexuel, vas-y, Jacques, dis-le-moi, c'est le bon moment. Je suis pas homosexuel. Je suis pas un joueur, pis c'est pas un suicide. Cesse de voir du mal partout. Je peux pas croire que tu me fais ça. M'as-tu déjà retrouvé dans la baignoire avec un grippin, toi? Jamais je t'aurais fait ça. À quoi t'as pensé? J'ai pas pensé. On pense pas, on le fait, c'est tout. C'est mon corps, j'ai le droit. Est-ce que tu me consultes, toi, avant de t'épiler, toi? Selon toi, j'ai mérité ça, Jean. Veux-tu m'aider à descendre? Elle n'est pas bon non plus. Attends. Faut que je sorte. T'avais pas l'air d'avoir quelque chose à ton horaire? J'ai besoin d'air. Paraît qu'ils diffusent de l'oxygène à Casino. Cheap shot. Avec ça dans le cou, moi. Je peux plus endurer ça plus longtemps, je suis plus capable. Faut que j'aille payer mes achats. Ton portefeuille. C'est la petite dame dans l'entrée. C'est nos cheveux qui sont trop laids. Je pense que les cheveux, ils sont pour beaucoup. Et te rappelles-tu quand on a fait la première partie du show de Charlebois? La Saint-Jean, dans la petite Saint-Alexandre. J'oublierai jamais ça de toute ma vie. Ça me fait du bien de te parler.
Allô? 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 Shotgun? Hein? Comment ça, il est en dedans? Mais c'est parce que j'étais en train de faire un contrat pour lui, moi. Hein, comment ça, le deal marche plus? Qui c'est qui parle, là? Allô? Allô? Hey, vous pouvez pas me faire ça. Il revient quand, Shotgun? Pas besoin de crier, c'est beau, j'ai compris, là. N'arrivez-vous pas. Non, non, c'est très clair, ça marche, oui. Je fais quoi avec lui, là? Ben, je sais pas, moi, venez chercher au moins. Allô? Allô? De te sauver la vie, toi? Laisse-moi pas la chance de te pogner parce que t'auras personne pour te sauver la tienne. Le détache-moi puis tout de suite, calisse. Je te laisse partir, tu vas me stouler. Détache-moi! J'ai un gun, tu sais. Ouais, ouais, je sais. Ouais, ton pied aussi, tu sais, je pense. Hein? Là, qu'est-ce que tu fais avec ton gun si je m'approche comme ça? Hein? Je vais le pointer sur toi puis je vais te demander de reculer, s'il te plaît. C'est pas dans mes habitudes de reculer. Il arrive quoi si je recule pas, là? Ben, c'est pas ça. Hein? Ah! Ah ouais, tiens! Ah ouais, je m'en calisse. Je peux pas. T'es pas capable. C'est pas le temps là. Ah, t'as un horaire, là? Ouais, c'est ça, un horaire. Au secours! Ta gueule! Police! Ta gueule! Au secours! À l'aide! Thank you.
Continue de crier, là. Bon, là, aide-moi, OK? Puis je vais tout faire pour que ça finisse bien, mais aide-moi. T'as-tu compris ce que j'ai dit? J'ai compris. Bon. Tu veux-tu de l'eau? Non, non, c'est beau. Peut-être plus tard. Comment ça, peut-être plus tard? J'ai-tu l'air d'une serveuse, moi? On n'est pas au restaurant. L'eau, c'est tout de suite. T'en veux-tu? Non. Bon, là, tu m'aides pas, là. Là, tu boques pour me montrer que c'est toi qui mène. Mais c'est pas toi qui mène, c'est moi qui mène. Tu vas prendre de l'eau, est-ce-tu? Bois. Tiens. Bois. Bois! Bois! Calice. T'as tellement pas de chance, hein? Celui qui t'a passé la commande est en prison. Ton otage vaut rien. T'habites dans un taudis. Puis en plus, t'es gentil. Ta gueule! Ah, oh, c'est-tu déjà à l'horaire? Dans votre poche. Tu m'en places-tu? Ah, ouais, ça me revient là, le gangster incompétent. Là. Excuse-moi, le courrier incompétent. Bon, tu me reconnais, là? Mais pour qui tu te prends, toi? Quand on est patron, là, on remarque pas la face des courriers. Ben là, tu vas t'en rappeler de ma face. Des gars comme toi, je n'en ai vu plein. Ils m'ont tous méprisé. Ben, à cette heure, c'est à mon tour. Ici, c'est moi le boss. Ça m'étonnerait. Parce que, d'ordre général, le patron a le contrôle sur ce qui se passe autour de lui. C'est pas le cas. On est deux. Là, là, tu te laisseras pas mourir de faim, c'est pas vrai, OK? Faut que tu manges. OK. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Pourquoi tu ris? Pas le droit de rire? Ah ouais, ouais, faim. Tu craques? Alors, du beurre d'arachide. C'est du beurre d'arachide. Hey, tu connais rien, toi? Je me suis gâté avec ce pot-là, moi. D'habitude, je prends du no-name, ça, c'est du craft. Ah, plus tard. T'as plus faim. Bah, une dernière. Bon, là, t'es pas mon coloc, là. Il va falloir trouver quelqu'un qui paye une rançon. J'ai personne. Ça se peut pas. Tout le monde a quelqu'un. Au début, il y avait juste Adam et Ève. J'avais enlevé Adam. Ève avait payé une rançon. Dis-moi donc ce qui serait arrivé si Adam avait enlevé Ève. Ah, tu m'énerves. Ça va-tu? Je suis allergique au beurre d'épinard. Oh, mon esti. Puis tu le savais? Qu'est-ce que t'en penses? Oh non. 3, 4. Appelle le 911. Pas besoin. J'ai une épipène. Ma fille aussi est allergique. C'est plate, hein? Thank you.
Allô, Jacques, c'est toi? Non, mais il est à côté de moi. Mais passez-le moi, mon Dieu. Il peut pas vous parler. Ah, il veut pas me parler. Non, il peut vraiment pas, là. Bon, bien sûr. Dites-lui que c'est Joanne, son épouse, et que je le quitte. C'est pas le bon moment. Dites-lui que je m'en contrefiche. Dites-lui. C'est ta femme, elle fait dire qu'elle te quitte. Il dit rien pour l'instant, il est pas capable. Dites-lui aussi que... Comme c'est beaucoup grâce à moi qu'il a fait de l'argent, je vais m'arranger pour le laisser vivre au maximum. Elle fait dire qu'elle va te laver bien comme il faut. As-tu pris ses cachets, là? Ouais, avez-vous pris vos pédales? Hey, mais non! Quoi? Non, rien, rien. J'aimerais ça qu'elle me laisse une chance. Il aimerait ça que vous lui laissiez une chance? Il devrait savoir que la chance n'existe pas. Qu'est-ce qu'elle a dit? Merci, Michel, de m'avoir sauvé la vie une troisième fois. T'étais pas obligé. Quand je livre un colis, j'aime ça le livrer en un morceau. C'est ça que je suis, un colis. Ben oui. Combien? Quoi? Combien je vaux? C'est important pour toi, ça, hein? Tu vaux pas plus que n'importe qui. Même moins au moment où on se parle. L'année passée, un de mes chums m'amène à la pêche. Moi, la pêche, c'est pas quelque chose qui m'attire. Juste l'idée de planter un hameçon dans un verre, le cœur me lève. Mais bon, on se rend là. 2-3 heures de route. On marche dans le bois, ça finit plus. Pas plus de fun qu'il faut. Et là, mon chum me dit que t'as pas, dans ce lac-là, impossible de rien pogner. Et t'as-tu pris quelque chose? J'ai pogné un poisson, mais il était déjà mort. Et là, aujourd'hui, c'est pareil. Encore pogné un poisson mort. Pas sûr de ma comparaison. Connais pas. Denis Vincent. Non plus. Il est dans ton répertoire. Ça veut rien dire, c'est peut-être juste des rencontres d'un soir. OK, je te nomme des noms, puis tu m'arrêtes quand tu connais quelqu'un, OK? Lucie Bibot. C'est Breton. G. Carrier. Rolande Chevrier. Rolande Chevrier, c'est ma comptable. Bon, elle apprend une version de rançon? Oui, demande une rançon à ma comptable, moi. Luc Coupal. Non plus. Là, ça se peut pas, là. Moi, toutes les appeler, t'in. Ah non, 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 fais pas ça. J'ai dit Jacques Saint-Louis est avec moi. Qui? Jacques Saint-Louis! Puis tu veux quoi? Une rançon! Une chanson? Ben, je comprends rien, là, mais dis-y qu'il y a pas de problème. Va pouvoir payer mon loyer. J'ai gagné au bingo hier. Denis Vincent, s'il vous plaît. Lui-même. Oui, vous connaissez Jacques Saint-Louis? Oui, mais à qui je m'adresse, là? Ta relation avec M. Saint-Louis, c'est quoi? Une relation d'affaires, pourquoi? J'ai kidnappé Jacques Saint-Louis. Ceci est une demande de rançon pour sa libération. Minute. Là, comment ça, kidnapper? Comment ça, kidnapper? Kidnapper, c'est tout. Il y a des dettes de jeu. Tais-toi! Mais pourquoi tu m'appelles moi? J'ai eu sa femme au téléphone, elle veut rien savoir. Tais-toi, je dis! Ben, tu diras que je m'excuse, là, mais j'ai pas le goût d'être mêlé à cette histoire-là. Coudon, ça va pas bien, toi? T'as rendu compte que je commence à trouver que je suis pas si mal pris que ça dans la vie, moi? Ah non, 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 ça va faire les téléphones, là. OK, nomme-moi une personne qui peut vraiment nous aider, puis j'aurais pas besoin de faire le tour de ton répertoire pour dire à tout le monde que tu vaux plus rien. Appelle mon frère. Bon. T'aurais pas pu me dire ça avant? Ça vaut ce que ça vaut, ça fait 15 ans qu'on se parle plus. Quoi son numéro? 514-555-8872. Ça fait 15 ans que tu y parles plus, puis tu sais son numéro par cœur. Je compose souvent son numéro, mais je lui parle jamais. Bon, c'est quoi son numéro? 514-555-8872. Qu'est-ce que tu fais, là? Je fais pas venir une pizza, je fais une demande de rançon. Je peux-tu prendre le temps qu'il faut? Mmh.
Oui, allô? Oui, c'est quoi le nom de ton frère? Éric. Éric, s'il vous plaît. C'est moi. Un instant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? Ta gueule. J'ai kidnappé Jacques, votre frère. Si vous ne me faites pas parvenir la somme de 20 000 $ il va lui arriver quelque chose de grave. Qu'est-ce que tu dis, là? J'ai kidnappé Jacques, votre frère. Si vous ne me faites pas parvenir la somme de 20 000 $ il va lui arriver quelque chose de grave. C'est une blague, ça, là? Non, c'est pas une blague. Veux-tu que je leur lise? Dis. Non, non, ça va, j'ai compris. Demande-y donc. Comment va Joanne? Demandez comment va Joanne. Ah. Elle va bien. Si ça peut le rassurer, notre couple va mal. Elle va bien, mais leur couple va mal. Ça vaut la peine? Regarde, va-t-il passer, OK? Je suis pas sûr de comprendre, là. Oui, allô? Jacques. Oui, c'est moi. Ça va? Pas vraiment, non. C'est vrai, cette histoire-là, là? Oh, oui, c'est vrai. C'est beaucoup, 20 000, Jacques. Pas moi qui décide du montant. OK, passe-moi l'autre gars, là. Oui. Je suis pas sûr que j'ai le goût de l'aider. Hey, ton frère est vraiment dans le trouble, t'sais? Un vrai frère, serais-tu parti avec ma blonde? Oh, je savais pas plus moi de la blonde. Regarde, j'ai besoin de temps, là. Je vais y penser. Demain soir, 6 heures. Je te rappelle. OK. Le poisson est peut-être pas mort. Beaulieu, s'il vous plaît. Qui parle? Patrick Dumont, service de recouvrement Tel Canada. Monsieur Beaulieu est parti. Voilà, on peut prendre le message. J'appelle concernant votre compte en souffrance, Monsieur Beaulieu. Ça totalise 343,56. Vous pensez nous payer ça quand? Là, vous tombez à un bien mauvais moment, là. Le bien mauvais moment, ça va être demain, 10 heures. Quand on va vous couper votre ligne de téléphone. Je peux-tu prendre un arrangement? Non. Pourquoi? Vous avez respecté aucun des arrangements qu'on a pris antérieurement. On peut plus prendre de risques. Qui ça on? Toi pis qui ça on? Comme si c'était à toi la compagnie. Y a pas d'arrangement possible? Non. 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 Ah, je te dis qu'on l'a la conversation, hein? Non. Tu vois où on a tendance à être négatif, si? La seule façon de régler votre problème, c'est de payer la totalité de votre facture immédiatement. Hey, tantôt c'est le même matin 10 heures. Là, c'est tout de suite. Je vais raccrocher avant que tu me demandes de faire le paiement pour hier. Passe-moi ton supérieur. J'ai pas le droit de vous te passer, mais je peux aller le voir pour lui parler de votre cas. Ouais, fais donc ça. Puis dis que je paye rien avant demain soir, 7 heures. OK, je vous m'en attends. Tel Canada est soucieux d'offrir un service de qualité à sa clientèle. Votre appel est important pour nous. Attendons à demain soir, 7 heures d'abord, monsieur soucieux. Là, il va me laisser sur la ligne 20-25 minutes. Hey, je vais-tu rester en attente comme ça encore longtemps, hein? Ce serait le fun que tu reviennes avant demain matin, 10 heures, parce qu'après ça, y a plus de ligne. Merci d'avoir patienté. C'est bien ce que je pensais. Demain, 10 heures ou rien. Ah, ben super. Merci beaucoup. Bonjour. Calice. Étoile 67, 514, 555, 8. 8872. 8872, ici. Oui? Oui, Eric? Oui? Hey, salut, c'est Michel. Vous êtes le ravisseur. T'étais pas censé m'appeler demain soir à 6 heures? Ouais, mais là, les choses ont changé, OK?
Là, ça me prend la totalité de la somme pour demain matin 10h. Fait que je te rappelle demain matin 9h30. Wow, 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 demain matin, tu fous, toi, là? Vous ne semblez pas comprendre, monsieur, que c'est demain matin 10h ou rien? Hey, c'est-tu toi le vrai boss dans cette histoire-là? Parce que j'aimerais ça que tu me le penses. J'ai pas le droit de vous le passer, mais je peux aller le voir, aller parler de votre cas. Mais fais donc ça. Restez en attente, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? Ta gueule. C'est bien ce que je pensais. C'est demain matin 10h ou rien. Bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce? Ben, je suis très impressionné. De voir à quel point t'es un dur. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi menaçant. Je t'écoutais parler à mon frère. J'aurais pas voulu être à sa place. C'est bien astuce, là. Tu fais peur à personne. Si toi, t'as pogné un poisson mort, moi, j'ai pogné un pêcheur quadriplégique. Oui, inspecteur. Éric Saint-Louis. Oui, le ravisseur vient d'appeler. Il a changé l'heure du deadline. C'est demain matin, 9h30. Sur mon afficheur, cette fois-ci, ça indiquait numéro confidentiel. Ah, OK. Merci. Puis? Ah, ça a l'air qu'avec Tel Canada, ils vont pouvoir le retracer. Si tu tiens l'antenne, ça va. Regarde ça. Pour le vrai monde, là, c'est ça, s'acheter une TV. 4 ans de paiement. Endettez-vous, gang de cave. Moi, avant d'acheter un crédit, là, je trouvais le temps long. Mais à cette heure, 48 mois, je trouve que ça passe vite en tabarnak. C'est-tu qui m'a gêné? Toi, là, t'as-tu ces blocs à toi? Il m'en reste un. Pourquoi tu le vends pas? Pourquoi je le vendrais? Ben, pour te débarrasser de tes dettes. Tu peux pas comprendre ça, toi, t'as une mentalité de pauvre. Tu vois rien à long terme. Puis toi, à court terme, ce qui s'en vient, c'est des Shylock puis des locataires orphelins. Je vais me débrouiller autrement. Attends que je devine. En jouant au casino? Non, en suicidant? Non, je l'ai en volant la blonde d'un autre gars. Les leçons de vie d'un minable courrier qui est obligé de prendre des contrats de pégreux pour arrondir ses fins de mois ne m'intéressent pas tellement. Mais les histoires concernant ma femme et mon frère ne te regardent pas. En tout cas, voler la blonde de son frère, ça se fait pas. Ben oui, puis je l'ai fait. Ou bien pas pour y ramener 15 ans après puis dire hey, j'y ai pensé, là, c'est pas correct ce que j'ai fait, tu peux la reprendre. Bon, là, c'est mieux. C'est pas mal, ça. Mieux que tantôt. Pas l'idéal, là. On ne peut pas tout avoir câble, cinéma maison, puis un écran de 52 pouces. C'est pas une 52 pouces, c'est une 60 pouces, et c'est pas le câble, c'est une antenne satellite. Oh, c'est vrai, excusez-moi, pardon. Puis c'est pas la blonde de ton frère, c'est ta femme. C'est inutile. J'arrive pas à pisser avec quelqu'un qui pointe une arme dans ma direction. T'as-tu envie ou ben non, t'as pas envie? J'ai envie, mais pas comme ça. Hey, c'est quelque chose, pisser, toi. C'est vrai, hein? Je sais pas ce que j'ai. On dirait qu'à chaque fois que je me retrouve assis sur un bol avec quelqu'un qui pointe une arme dans ma direction, je me sens vulnérable. Là, c'est correct. Imbécile. Au début de la partie, t'es le roi du monde. Tu crois t'amuser, mais... Le temps passe et tu perds et oublies tout. Tes amis, ton amour, tes enfants. Il ne reste que toi, face à ton problème. Joue ta carte gagnante. Ils me font rire, eux autres, avec leur ligne d'aide. Ça te ferait pas de tort, toi? Je suis pas un joueur compulsif. Coudon, t'es-tu fêlé? Des Shylock te courent après, tu te suicides, tu te fais enlever. Tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est parce que t'es un joueur. Moi-même, ce que je vis présentement, c'est parce que t'as joué. Je suis pas un joueur. Ben non. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu vas parler de ton problème. Jamais de la vie. C'est pas une offre, c'est un ordre. Ah, OK, OK, c'est ça, ouais. Aide au jeu!
Mon nom est Jacques Saint-Louis. Pas nécessaire de vous nommer, ça reste anonyme. C'est parce que là, j'ai vraiment un gros problème. Je suis là pour vous aider. J'ai un fusil sur la tente. Arrête de penser que je me servirai pas de mon gun. Je suis comme toi, moi, j'ai plus rien à perdre. Fait que vas-y, parle de ton problème. Quand vous êtes prêt. Si vous préférez, là, vous pouvez appeler plus tard, y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben là, je vais vous poser des questions pour déterminer si vous êtes un joueur compulsif. Vous allez répondre par oui ou non. Vous êtes prêt? Oui. Est-ce que ce oui-là compte? Répondez sérieusement. Le jeu est-il une cause d'absentéisme dans votre travail? Non. Avez-vous déjà emprunté de l'argent pour jouer? Oui, c'est arrivé une fois. Dépendez-vous des autres pour vous sortir d'une situation financière difficile causée par le jeu? Non. Avez-vous déjà menti pour cacher le fait que vous jouez? Non. Avez-vous déjà joué jusqu'au dernier sou? Non. Le jeu provoque-t-il des problèmes de sommeil? Non. Après une perte, éprouvez-vous le besoin de retourner jouer? Non. Pour récupérer l'argent perdu? Non. À cause du jeu, avez-vous déjà pensé au suicide? Non. Ah oui. Oui? J'avais déjà pensé au suicide à cause du jeu. Oui. Est-ce qu'on peut reprendre les autres questions? Oui, 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 à toutes tes hosties de questions! Oui, OK, oui! Content, hein? Eh hey, bravo! Très, très bien, Jacques. C'est une étape importante, ça. C'est super. Je suis très fier de toi, moi. Accepter son problème, là, c'est le tiers, la moitié, une bonne partie du problème de régler, en tout cas. Qu'est-ce que t'en sais? C'est connu, ça. C'est pathétique. Non, 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 non. T'as fait un homme de toi, man. C'est quoi être un homme? Tes rêves, toi, si tu les tiens ou ceux des autres? Les miens, je pense. Moi, j'aimerais ça aller en Espagne avec Lucie. Avoir une belle maison un jour. Être un chum et un père, comme la croix serrée, là. Tu sais, des belles petites familles qui se tiennent par la main, là. Les trois, ils jasent ensemble, ils rient, ils ont pas l'air d'avoir de problème. Une vie qui se tient. Le gars, il aime sa job. Pas bien sûr une grosse job, mais une bonne job. Elle aussi, elle aime ce qu'elle fait. Elle se réveille le matin, là, la tête tranquille. Moi, je voyage quand je veux. J'ai une belle maison, j'ai une grosse voiture. J'ai l'air heureux. Pas là, là, là. Mais sinon, tu peux être fier de toi, là, t'as réussi, là. Quand j'étais petit, moi, je regardais mon père, c'était un homme ambitieux, t'sais. Avec lui, t'avais pas droit à l'erreur. Et je me souviens encore le jour où il m'a appris à faire du vélo. C'est juste avant qu'il me pousse en bas de la côte. Il m'a dit, là, Jacques, tu es le meilleur. Et papa veut être fier de toi, alors arrange-toi pas pour tomber comme un peu heureux. Puis il m'a poussé. Ce qu'il sait pas, c'est que je suis dans la côte depuis ce temps-là. Puis je veux pas tomber comme un peu heureux pour qu'il soit fier de moi. Sauf que là, tu viens de pogner une moyenne débarque. Je sais. J'arrive pas à trouver que tu fais pitié, moi. Tu m'as tellement méprisé du haut de ton beau basic parfait. C'est tellement satisfaisant de t'avoir tombé. Moi, je suis tombé tellement de fois, là. Y a plus rien. Toi, t'as tout, puis tu te plains. J'avais une blonde, je l'ai plus. Encore ma fille, mais plus loin de l'avoir. Je suis pas sûr qu'elle soit bien, bien fière de son père, en ce moment. Fait que ma vie, c'est pas exactement la mélodie du bonheur. C'est le film, là, avec l'actrice, là. Rien. Comment ça s'appelle, donc? Aide-moi. Shirley MacLaine? Non, non, pas partout. Anyway. Moi, j'ai souvent rêvé une vie comme la tienne. Elizabeth Taylor? Non, non, c'est pas ça. T'sais, moi, ma femme, je l'ai mariée par ambition, pas par amour.
Je ne l'aime pas, même pas non plus. Ben, j'avais besoin du fric de son père pour me démarrer. Fait que j'ai tassé mon propre frère, puis j'ai volé sa blonde. Tout ça pour de l'argent. Tout ça pour pas tomber de mon beau vélo. Puis je suis tombé pareil, je sais même pas à quel moment. C'est Lisa Minnelli. Arrête, tu m'aides, j'avais ce bout de la langue. Ah, j'essaie de t'aider. C'est d'eau, le dos, l'enfant d'eau. Hein? Rien de soleil d'or. Mais c'est la moitié d'un tout, c'est facile à chanter. Ça, l'endroit où nous marchons, là, l'endroit où nous allons. Si c'était comme un poisson, et nous revenons à dos, non. Non. Bon, ma fille, elle adore cette chanson-là. Ma sœur trouve ça plate. C'est comme moi, ça. Au début, le monde me trouve bien fin, bien drôle, puis m'en donner ses cœurs. Ils finissent par se rendre compte que je suis rien qu'un nasty de loser. Ça doit être ça, être un homme. Ouais, ça doit être. Bien. Salut, c'est Michel. J'ai un message. Ce shotgun répond un petit. J'ai pas toute la nuit. Allô? Je te réveille. Tu es coudon. Attends une petite minute. Comment attends une minute? As-tu notre corps? T'es pas en prison, toi? Je viens de sortir. Un juge qui aime les petits gosses pas bien vus, puis je le fournis, fait que... Là, écoute-moi bien, là. Jacques, le tabarnak, il va se tourner au peu. C'est à cause de lui que j'ai passé la nuit en prison. Fait que là... Tu vas le passer. Ça va donner l'exemple aux autres tatas qui pensent s'en sortir facile. Hey, wow, là, c'était pas ça le contrat, là. Ben là, c'est ça le contrat. T'as voulu commencer la job, finis-la. Puis en plus, passer un gars, c'est trois fois plus. Je sais que t'as pas les moyens de cracher là-dessus. Fait que là, tu te fermes ta gueule avant que j'aille chez vous. Puis tu fais ce que t'as à faire, OK? OK. Tu penses à quoi, là? Tu seras jamais capable de faire ça. T'es pas capable. T'es pas capable. T'es pas capable. T'es pas capable. C'est le jeu qui va décider si je mérite de vivre. Qu'est-ce qui est le plus fort entre deux paires puis trois pareils? Deux paires. T'es sûr? Pas mal. Pas mal ou sûr? Je suis en train de jouer ma vie avec un gars qui connaît pas les règlements du poker, là. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Un petit mieux qu'on sorte le Scrabble. Deux. OK. Puis au-dessus de ça, il y a quoi? Une foule, ça, c'est trois pareils puis une paire. Pourquoi? Ah, pour rien. OK. Quatre. Peux-tu faire quatre? Bon, ben, es-tu prêt? Vas-y. Non, toi, vas-y. Go.
gagnes-tu? Sais-tu, moi, vas-y, on va bien voir. T'as ta face de j'ai des bonnes cartes. J'ai pas de face pantoute. Je veux voir tes cartes en premier, c'est tout. Allô, Mme Lorlens, là? Michel? Lucie? Écoute, Michel, je m'excuse. Je sais que j'ai dit que je voulais plus que Jacques te voie, mais là, je suis mal prise. J'ai une entrevue pour une job super importante à matin. Il faut absolument que tu prennes Jade, là. Pas longtemps, hein. T'as juste à la reconduire à l'école dans 20-25 minutes, okay? Non, je... Jade, elle monte l'escalier, là. Elle devrait arriver bientôt. Quoi? Ah! Elle est là, là! Merci. As-tu sais à quel point j'ai besoin de cette job-là? Puis en plus, Jade, elle arrête pas de se réclamer. OK, bye! Oh, allô, ma chérie d'amour. Allô, papa. Allô. Ça va? Oui. Jacques. Salut. Allô. À quoi vous jouez? On joue au trou de cul. C'est ton papa qui gagne. En fait, on joue parce que Jacques, il aime beaucoup ça, jouer. Beaucoup. Un petit peu trop, même. Moi aussi, j'aime ça, jouer. J'ai ramené Charlotte. Maman dit que sa maison, c'est ici. Ah, OK, super. Charlotte? Oui, c'est papa qui l'a appelée comme ça. C'est cute. Oh non, laisse-la dans son bocal. Non, elle fait pitié là-dedans. J'ai peur qu'elle meure. Elle a raison, c'est pas bien de la laisser enfermée là-dedans. OK, laisse-la aller. C'est dangereux en dehors du bocal, hein? On peut se faire écraser. Ah. J'ai un travail à faire pour l'école sur la personne que j'admire le plus. Puis j'ai décidé de le faire sur toi. J'aimerais ça te le lire. Chien? OK, ben vas-y. Alors, la personne que j'admire le plus... Le plus, là. Oh, pareil. Mais attends, je recommence, OK? OK. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Ben oui. J'y vais. La personne que j'admire le plus, c'est mon père. Il s'appelle Michel Beaulieu. Je l'admire parce que c'est un bon papa. Quand je regarde les papas dans la rue, je trouve que les autres enfants ne sont pas chanceux et qu'ils doivent être jaloux de voir que c'est moi qui a le meilleur. Ce que j'aime le plus chez lui, c'est qu'il me fait rire. J'aime ça aussi quand je lui demande un chocolat le soir après souper et il n'est pas capable de dire non. Parce qu'il dit que je suis trop mignonne. Quand je serai grande, je veux lui ressembler parce que il est gentil. Il ne ferait jamais de mal à personne. Et moi non plus, je ne veux jamais faire ça. Quand quelqu'un a un problème, il est toujours là pour lui. Aime les mêmes animaux que moi. Les chiens, les chats et les licornes. Il raconte des belles histoires de farfadets qu'il aime. J'aimerais juste dire à mon papa que je suis très, très fière de lui et que j'aime fort. C'est fini! Papa? Eh bonne, hein? Ça t'a entendu? C'est de moi qu'elle parle. Ben, bravo, Jade. Papa est bien, bien content. T'écris bien. Bien écrit, je trouve. Tu sais, bien écrit. Bon. Je vais y aller, moi. Tu peux pas partir comme ça, là. Pourquoi? Ben... Je suis d'accord avec elle. T'es un bon père. Ta fille t'aime. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ton bicycle, hein, est pas mal plus beau que le mien. C'est quoi, Jade? Père Noël, là. Ben, il existe, c'est pas moi. Moi aussi, je pense c'est papa. Je t'aime. Ah, moi aussi, tellement.
Hey, je pense à ça, là. Tu peux pas rester. Faut que je conduise ma fille à l'école. Ah. OK. La mélodie du bonheur. Julie Andrews. C'est ça, Julie Andrews. On s'appelle? Ça serait le fun. Bye. Bye. Bye, monsieur. Jacques, je suis Saint-Louis. Oui. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas vrai. Oh, encore lui? C'est pas lui qui vous a pris en otage, toujours? Non, non, il y a aucun otage ici. Moi, j'ai parlé à quelqu'un au téléphone hier qui me demandait une rançon de 20 000 $. C'était qui? Ah, ça! C'est moi, ça. Mais c'est un malentendu. C'est une blague qui a mal tourné. C'est ça, c'est une joke. C'est mon frère qui a paniqué pour rien, là. T'as cru que c'était vrai, toi? T'as pas changé, toi. Non, 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 arrête, c'est pas vrai, ça. J'ai changé. Je sais que j'étais imbécile. Plus trop de cul qu'imbécile. Regarde les deux, OK? J'étais trop de cul puis imbécile. Excusez. Est-ce que je peux m'excuser d'avoir été un trop de cul en paix? Ben, si vous êtes né, là. Comment va Joanne? Bon, Joanne, tu vois, c'est un bon exemple du combo, ça. J'ai été trop de cul de te la prendre puis imbécile de l'avoir voulu. Je m'excuse. Bon, là, est-ce que je peux... Mon frère est en train de me dire ce que je pense de lui depuis 15 ans. Peux-tu attendre qu'il finisse? J'avais pas mal fini, là. C'est pas moi qui je trouve, hein? Il y a méprisant aussi. C'est vrai, j'ai été méprisant avec toi. Bon, là, je peux-tu, là? Non, on sait qu'il finisse. Laisse parler, monsieur l'agent. Non, 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 allez-y, on vous écoute. Bon, OK, OK. Je m'excuse de l'avoir méprisé. Ça va? Là, on a méprisant, imbécile, trou de cul. Y'a-tu d'autres choses, là, agressif, hypocrite, sans dessin? Non. Hypocrite, des fois. Ouais, mais c'est vrai, hypocrite. Bon. Je pense qu'on a fait le tour, là, parce qu'on a un otage à libérer, hein, puis on a un ravisseur à arrêter aussi. Non, non, je ne suis pas un otage et il n'y a pas de ravisseur. La preuve, j'allais partir. Ouais, je le retiens pas, moi, là. Puis un otage, ça reste. Ça part pas. On va y aller, nous autres, Eric, OK? OK. Oui, puis moi, faut vraiment que j'aille reconduire ma fille à l'école. Oui? C'est Shotgun, au vestiaire. Ce sera pas long. Tout de suite! Puis je t'avertis, s'il est pas mort, je vous tue tous les deux à coups de pelle d'en face. Les mains derrière la tête. C'est lui qui nous a obligés à jouer cette game-là. Corlius, pas besoin de t'obliger pour jouer, toi. Hey, aïe, je suis pas contentionniste, c'est-tu? Toi, t'es faite. Cette fois-ci, ça va te prendre plus qu'un juge pervers pour te sortir du trou. Ah ouais, avance. J'ai oublié la boîte à lunch. Mademoiselle. Jade! Maman! Aron. Lucie, j'aimerais ça te parler. Vous devriez l'écouter au moins une dernière fois. C'est un bon gars. C'est qui, lui? Ah, ça, c'est mon otage. Jacques, tu peux pas comprendre, c'est... Non, Lucie, attends! Lucie! Lucie! Lucie, attends! Embarque! Lucie! Fais-en ce que t'en veux. Je vais m'acheter des souliers neufs. Je marche tout croche dans celui-là et il faut que je change. J'ai changé la semelle, les lacets, juste du patchage. Et ils me font plus, c'est fini, c'est plus moi. Ici, je vais m'acheter des nouveaux souliers. Puis ce ne sera pas des souliers de course, je suis bête d'aller courir. Ça va être des vrais souliers. Des beaux souliers en cuir.
sais, le genre de sujet qu'on garde toute sa vie, là. Comme les tiens. Les tiens, ils sont parfaits. Les tiens. J'aimerais ça les regarder à côté sur le bord de fouille. Te voir sur une plage en Espagne, les prendre dans tes mains puis les revirer à l'envers pour enlever le sable qu'il y a dedans. Les voir vieillir puis passer ma vie à côté d'eux autres puis en prendre soin. Si ça te tente de marcher avec moi, ben, je suis rendu là. Je t'aime aussi. Viens. Je t'emmène à la clinique. D'aller prendre un café avec un trou de cul. OK. Tu sais que tu viens de devenir mon oncle? Sérieux? Mm-hmm. Un gars ou une fille? David. Un gars. Fille. Ah! Comment tu l'as appelé? Hello. C'est beau, ou non? Wow! En avance. Ça va? Mieux. Bon, je peux pas rester trop longtemps. J'ai une entrevue pour une job dans 20 minutes. Je voudrais pas être en retard. Je vais te demander de signer ça, s'il te plaît. C'est pour toi. Pour moi? Oui, ouf. C'est ta part. Je te remercie. T'as vendu ton bloc? Ouais, j'avais quelques dettes à rembourser. Non, genre, je peux vraiment pas accepter. Michel, ta gueule. Michel, fais quoi ta main? Toi en premier. Père de roi. Une foule. T'avais ta face.